Cette vidéo est tirée d'un stream sur Twitch. Toutes les vidéos de Borderlands 3 devraient être tirées d'un stream Twitch. Aussi, je vous conseille de vous abonner à la chaîne Twitch en suivant le lien dans la description. Merci à ceux qui étaient présents dans ces streams et merci d'avance à ceux qui viendront au prochain. On continue. Wilhelm a quasiment anéanti les autres chasseurs de l'Arche il y a quelques années. Tu viens de prouver que tu les surpasses. Bien joué. Que je les surpasse... ou que j'ai plus de chance. Un Murloc. Je sais bien qu'un zoologiste doit respecter la faune, mais soyons sérieux. Cette petite peste ressemble à une fois de temps en temps. Croûte remplie de pus avec des airs. Ouh. J'ai de l'entraînement. Salut Lilith. Hey, j'ai un truc pour toi. Merci. Un gang mine de voyous extrait de l'iridium dans le Tundra Express. Je veux que tu ailles voir ce qu'ils en font. Et que tu les tues tous, dans l'ordre que tu préfères. D'accord. Salut les mecs. Ça y est, t'es à la mine? Oui. Super. Les mineurs n'ont pas muté, ça veut dire que c'est pas eux qui utilisent l'iridium. Ils doivent sûrement l'envoyer quelque part. Descends-les tous et trouve la destination. Pourquoi pas courage? T'es là? Maintenant là! Oh. Je crois que je suis suivi par là, mais je vais continuer quand même. Va finir en viande hachée. Super brutal. Pour moi qui vient, oui. Ragnabro. Oh, c'est le bordel. Hop là, merci. Aïe. Oh. Les sbires sont KO, il en reste. Hein. Ok. Là, Jésus. Tu es le prospecteur en se servant du slag. Est-ce que j'ai une arme à slag? Ça pourrait être intéressant. Non. Pas par là. Oh. Oh, d'accord. J'ai une pigée. Merci. J'arrive. C'est rigolo, les cailloux tombent pas. Ok. Bon bah, comment je fais pour qu'il se déplace? Merde, il va mourir en brûlure. Ah, quel dommage. La société Hyperion souhaite vous offrir à vous et à vos hommes 3 000 $ pour chaque fragment d'héritier. Consommez d'innombrables poissons alcoolisés, vous formiquez avec d'innombrables personnes du sexe opposé, bref, prendrez du bon temps, comme vous dites. Ils ont un accord avec Hyperion. Ah, je suis vexé. Mais aucun scrupule à éliminer ces crétins. Je peux te garantir que c'est ce qu'Hyperion aurait fait quand la mine aurait été épuisée. Ah, je pensais que ça allait péter si j'avais eu du slag, si j'avais tiré dessus. Elle a du boulot. Apparemment non. D'accord, très bien, bah je suis pas si vexé que ça alors. Mine de rien. Ah non, c'est à elle qu'il faut rendre la quête.
Yo 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 yo. On va le braquage tout faire péter. Lilith m'a dit qu'on a rempli de pognon, mais passer par là. C'est une mission pour mes explosifs, ça, non? Les mineurs que t'as affrontés tout à l'heure sont payés cash pour l'iridium. Va d'accord. À la gare, c'est là que doit arriver leur train de transport de fond. On okay. Va se faire un bon vieux pillage à l'ancienne. Pas de soucis, ça me dérange pas. Un explosif. Te cache. Ça va péter. Non, non. Ouf. Bien, le train n'a nulle part où aller. Maintenant, il suffit juste de donner le signal à Hyperion, comme si tu allais leur vendre de l'iridium. Je l'ai fait. Je crois qu'ils veulent jouer, Flingo. Requête de train reçue. Train blindé en approche. Tu vas finir au tartare. Et tu sais seulement ce que c'est qu'un tartare. Sublimation. T'as une gueule à tirer à la chevrotine. Chier sur les gens qu'il faut. Coffre fort à découvert. Veuillez charger la cargaison d'iridium sur le train. Ok, j'ai eu. Place le reste des explosifs de Tina dans les coffres. Et bon feu d'artifice. Oui, madame. C'est parti. Je vais t'écraser. Enfonce le crâne à toi dans le ventre. Balance la sauce. C'était sublime. Hop là. Ils sont encore vachement nombreux, en fait. Envoie de trouve au train blindé numéro 6-2-7. Préviens Tina quand t'auras fini de t'occuper des renforts d'Hyperion, Terreur. En tout cas, bravo. Piu piu piu. Pardon, j'ai un peu regardé les pubs apparaître. Je l'admets. Allez. Tina! Notre grenade, ouais. On va balancer la sauce, j'étais genre. Non! Kiki! Un nouveau cœur énergétique? Waouh! Y'a de quoi? J'ai beau détester la technologie d'Hyperion, le cœur que vous avez ramené l'autre jour est pratiquement mort. Allez-y, désenclenchez-le. Ok, je crois qu'on est bon pour. Nom d'un chien. Tu sais, je crois qu'il est temps que je te révèle mon petit secret. L'ange, elle bosse pour moi. Réduction des boucliers de sanctuaire en cours, Jack. Changement de phase en cours. C'est pas un carrière. Bouclier HS, bouclier. Très aïe. Joli coup, l'ange. Bon, et si je tuais du chasseur de l'arche? Alors, ramène-toi, je t'attends. Quelque chose a traversé notre bouclier. Y'a plus de bouclier, Roland! La vache pourra buter tout le monde dans les sous-sols! Attendez, j'ai une idée. C'est la guerre. Scooter, fais décoller Sanctuary. Roland, trouve-moi de l'iridium. Pour moi, c'est pas possible sans qu'on tue, tous les habitants de la ville. Elle peut pas décoller, Lily. Tu sais quoi faire, Scooter? Grouille! J'arrive! Retrouve-moi au centre de la ville! J'y suis! J'ai besoin de toi! Ok, si on court-circuite les amorces d'allumage... Oh, crotte! On va tenter... Dépêche! Non, c'est l'allumage. Ok. Bit numéro 1 activé. C'est des bits d'allumage, hein. Désolé, hein, j'y peux rien. Ok, je m'occupe de celle-là! Toi, occupe-toi de la dernière amorce! Si tu veux. Ça sert à rien de jeter des cailloux sur un machin qui est dans l'espace, hein, mais... Ok, amorçage réussi! Accrochez-vous tout le monde! Wouhou! Non, c'est stop! Je peux pas bouger, soldat! Lilith a besoin de son iridium! Viens me voir, vite! J'arrive! J'ai besoin d'iridium! Va voir Roland! On se grouille ici, on veut pas mourir!
Bah, je peux difficilement aller plus vite. Petit tour en train parce que je l'ai décidé. Il y a 5 ans, on... T'inquiète pas pour moi. Prends un maximum d'iridium avec toi. Apporte-le à Lilith. Mais... Iridium, j'en ai besoin. Va jusqu'au centre de la ville. Blah. Lilith. Tiens. Je n'en ai jamais pris autant. Je te conseille de bien t'accrocher. Je m'accroche. Vas-y. Ouf. Ouf. Désolé. C'était un accident. On se retrouve de l'autre côté, promis. Scooter, vas-y. Mais... Obligé, je balance une réplique culte. Otolo. Vache. Et c'est là qu'on se rend compte que le jeu y date, hein. Et je dois avoir peur d'une ville volante. Mais qu'est-ce qui pourrait vous faire croire que vous avez la moindre chance contre moi, hein? Réponse. Une sirène. Salut. Ouais. T'as l'air d'un couillon maintenant, hein. Je Bref. Sais que tu es en colère contre moi, mais on n'a pas beaucoup de temps. Je t'expliquerai tout. En attendant, va jusqu'au Fridge. C'est le seul moyen d'atteindre les Highlands. C'est là-bas que Lilith a dû hyperphaser votre ville. Les pillards écarlates ont besoin de ton aide. Rouleau est en galère contre les sans-pitiés à Freehorns. Il veut tous les buter, mais j'ai une idée beaucoup plus chouette. On va les refroidir. Va au campement des bandits et détruis leur chaudière. Ils auront trop froid pour s'en prendre à qui que ce soit. Tiens, va placer cette dynamite sur leur chaudière. On va aller faire ça. Super, tu as placé la dynamite. Va t'occuper de la prochaine chaudière. J'y vais. Viva la révolution. Quand tu auras saboté toutes les chaudières, les bandits auront bien trop froid pour se battre. Cette bande de givrés. Givré, t'as pigé? Oui, j'avais pigé, Givré. Ok, j'ai pris ultra... Il est niveau 16. Ok, je sais pas comment je suis censé grimper. Allez, j'ai plus de balles. Ah, j'en chie à les buter. Les 14, ça va, mais les 16, c'est compliqué. Ok, c'était par là. Ils ont tous filé. C'est moi qui déteste. Non, mais c'est drôle parce que Givré, ça veut dire le temps froid, mais aussi frappe à dague. C'est un mot unique qui a plusieurs significations. D'un point de vue mathématique, c'est désopilant. T'es passé où? Oula. Ouais. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Ça sent la fin. Ouais, ça sent la fin. S'il est parti se planquer pile au bon moment, c'était la fin. Ah ! Fait chier. Donc il voulait en finir rapidement, ces niveaux 16 sont un poil au-dessus de mon niveau.
Au niveau de mes armes, en tout cas. Achetez davantage d'excellentes munitions Hyperion, et vous n'aurez peut-être plus besoin de cette excellente station New You Hyperion. À vous. Plus personne ? Pourtant, j'ai laissé des gens en vie. Ah, voilà. Ok. Ok. Tu m'étonnes. Si mes ennemis glitch. Hop là. Voilà. Les munitions, je prends. Il y en a un qui est au-dessus, l'autre qui est censé être par là. Ouais, c'est bon. Bon, puisque Givray n'a pas l'air de te faire beaucoup rire, c'est que tu ne dois pas comprendre le concept d'humour. L'humour. Carrément. Consiste à tromper les attentes, souvent à l'aide d'un jeu de mots. Conformément à cette définition, mon givré est la chose la plus lol jamais dite au monde. La plus lol. Okay, tu as posé la dynamite la sur plus toutes les chaudières. C'est l'heure du grand feu d'artifice. Va déclencher le détonateur à distance. C'est moi qui ai demandé à un billard écarlate de l'installer ici. Quand je lui ai expliqué mon plan, j'ai juste dit parce que je déclenche le détonateur. Parce bandits, que j'ai pas froid aux yeux, ouais. T'as pas pété. Bon travail. Maintenant que tu as détruit leur chaudière, ces bandits seront bien trop gelés pour tuer qui que ce soit. Qui c'est qui a éteint nos chaudières? Carnage! Ah merde! Attention, sbires! Ils sont de bon air! Bonnet de marée! Et maman est voilà! Jusque là. Rien de compliqué. Ah, il y en a un autre derrière moi. Ouais. Ça, pour apparaître derrière moi, vous savez faire. Une victoire, on a vraiment pas les mêmes, on va dire, manières de penser. Je reviens pas que ça te fasse pas rire ma blague sur les givrés. Il t'est tué. Ok. Je dis pas non. Par ici. La porte est gelée. Ah. Attends, je te file un coup de main. Merci. Merci beaucoup. J'obéis aux ordres de Jack depuis le début. C'est lui qui a modifié le cœur énergétique que tu as récupéré pour créer un relais de connexion Hyperion. Et c'est comme ça qu'il a pu pirater les défenses de Sanctuary. Tout ça, ça faisait partie de son plan. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? De quoi je suis mort? J'aimerais bien comprendre. Les armes sont vraiment pas efficaces à longue portée. Merde! Ah ouais, ils sont niveau 19! Ah ouais! Pas vu. T'es vu. Et les traps marchent bien sur les nabos, hein.
sur eux aussi, cela dit. Qu'est-ce que... Il restait des Rax. Très bien. Ha. Il y a 5 ans, j'ai menti à Roland et à ses amis pour qu'ils ouvrent l'arche. Soi-disant dans le but de protéger Pandore d'une grande menace. Tout ça, c'était faux. Jack savait qu'il pouvait faire fortune en exploitant les rigueurs contenus dans l'arche. Mais il n'avait pas le cran de l'ouvrir lui-même. Il m'a utilisé pour forcer les chasseurs de l'arche à faire le sort. Et merde! Elles sont trop dangereuses, ces grenades à utiliser. Et j'ai trop tendance à vouloir les balancer sur les mecs pour les coller parce que c'est des putains de réflexes de merde que j'ai depuis Halo. Ah! Et en plus, dans ce jeu, il y a des grenades collantes. Parce que je veux pas les prendre, que je. Ah!